Allez, je vous propose de travailler sur vos croches swing, sur Lullaby of Birdland. Je vais vous chanter une première fois un passage de Lullaby et après on le fera ensemble. Donc je vais essayer de mettre en avant les croches qui doivent être accentuées. Vous allez voir, il y a des syllabes dans les mots que je vais accentuer exprès pour que ça groove, que ça swing. La sera la première note. 1, 2, 3. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be ways to be real. In a phrase, how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we'll make with our lips when we kiss. Ce que je vous invite à faire, après que vous aurez regardé la vidéo, c'est de prendre une feuille de papier avec un crayon et noter les paroles de Lullaby. Inscrivez les paroles de Lullaby et écrivez après les accents qui vont être effectués au-dessus des syllabes. Alors c'est parti. Donc, je vais faire la première phrase. 1, 2, 3, 4. Lullaby of Birdland. Juste ça. Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland. Essayez comme ça lentement. 1, 2, 3, 4. Lullaby of Birdland. Ça peut être difficile si vous avez l'habitude de travailler sur les 1 et 3. Là, on est vraiment en train de travailler sur les 2 et 4, les 2e et 4e temps de la mesure à 4 temps pour que ça swing. Et on a nos croches en fait, on a deux croches et on accentue la deuxième croche plutôt que la première. Donc quand on n'a pas l'habitude, ça peut être difficile. On peut avoir envie de faire lullaby, lullaby of Birdland. On a envie d'accentuer le 1 et les croches 1. La croche 1 en fait quand on n'a pas l'habitude. Et nous là, c'est ce qu'on veut, c'est la deuxième croche. 1, 2, 1, 2 et pas 1, 2, 1, 2. Donc du coup, je refais 1, 2, 3, 4. Lullaby of Birdland. On continue. That's what I. Donc on va aller accentuer le I. That's what I. Et les deux autres mots, on les fait moins fort. That's what I. That's what I. On essaye de tout le début. 1, 2, 3, 4. Lullaby of Birdland. That's what I. On continue. Hop, là c'est pas facile à tenir le téléphone. Always here, always here. Pareil, on va accentuer le here. 1, 2, 3, 4. Always here, when you sigh. Puis le sigh. 1, 2, 3, 4. Always here, when you sigh. Puis après. That's the kind of magic. That's the kind of magic. Donc the et of. That's the kind of magic. Et jic. That's the kind of magic. Music we'll make with our lips. Music we'll make. Donc zik, make. Music we'll make with our lips. When we kiss, puis kiss. Bon, je ne vais pas accentuer toutes les deuxièmes croches, mais j'en fais certaines pour vous montrer un petit peu comment ça peut sonner, quoi. Il faut vous entraîner. Vous pourrez mettre la vidéo dans YouTube, on peut la mettre au ralenti. Donc n'hésitez pas à mettre au ralenti pour avoir une vitesse qui vous convienne pour faire ça. On refait tout depuis le début. La, 1, 2, 3, 4. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be ways to reveal. In a phrase, I feel. Ok, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser revoir la vidéo au début et noter les accents qu'il y a sur la suite des paroles et faites lentement, puis avancez progressivement en faisant plus vite. Si vous avez des questions sur l'exercice, vous les mettez dans les commentaires. Et puis, j'espère que ça vous aurez aimé. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like. À bientôt!